Team Galar, Team Bouclier, parce que Canard Tichot est nul. Ah, je sais pas, hein, si ça se trouve, il est badass. Hein. Et le légendaire est nul. Ah bon? Il est vraiment nul ou c'est juste que tu l'aimes pas? Un duel amical, c'est l'entraînement idéal. Mais disons qu'en fait, le légendaire de épée. Je le préfère, mais par contre quand il est en forme normale, il est pas en forme légendaire, je le trouve extrêmement moche. Et même, à la base je partais sur la version épée. Et le pote avec qui normalement je devais jouer en même temps, il a pas pu prendre la version directement, alors que normalement il devait la prendre directement en fait. Il a pas pu. Du coup, lui il voulait prendre épée. Et puis bah du coup moi je me suis dit bon mais tant pis je vais prendre notre bouclier, c'est pas grave. Et puis finalement comme je t'ai dit il a pas pris le jeu. Puis du coup je me retrouvais tout seul à faire à jouer tout seul au lieu de faire à deux. Parce qu'il devait faire lui aussi le jeu en live. Exactement en même temps que moi. Du coup tant pis. Je pouvais pas ne pas me faire spoiler avec les miniatures qui spoilent. Ouais bah ouais. Mais moi encore ça va parce que genre quand je suis sur YouTube je défile vite. Du coup je vois pas. Et réponse 2, je l'aime pas. Sa vieille tête. Frog Galopa ou Zigzaton. Ah Zigzaton non j'aime pas, puis apparemment il est pas ouf. Mais oui Ponyta. Ah je sais pas, de toute façon je vais le prendre, mais je sais pas si je vais le mettre dans mon équipe. Mais en tout cas, oui, je compte l'attraper. Il va envoyer Bluzeye, oui, on va changer. On va changer, on va envoyer Voltoutou. Il faudrait que je regarde si j'ai des super bonbons aussi pour machin. Pour mon petit Toxizap. Pour le faire monter assez rapidement. Histoire de rattraper les retards. Boum! Progalopa aux Zigzaton, ça devient la fin, mais badass. À Linéon, tu veux dire la dernière évolution de Zigzaton? Après Linéon? Je l'ai aperçu, enfin, j'ai vu plusieurs fois, mais je me suis pas tardé sur l'image pour pas trop me faire spoil sur les détails et tout. Ah, attends, je suis enrhumé. Hein. Donc, si je passe mon temps à me moucher, c'est normal. Ok. Bah, il va nous balancer à Rosard là maintenant. Son arrosoir. Non, je vais pas prendre provoque. Ok. Non, pas provoque. Non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Arrosar. On va changer, on va prendre Badaboum. Moi, je prends le type O dès que j'ai le jeu, comme d'habitude. L'Armélion? Dans ma partie perso, c'est celui que j'ai pris, l'Armélion. Et du coup, c'est la première fois que même les starters, j'ai pas voulu me faire spoil sur leurs évolutions. D'habitude, je veux toujours savoir à quoi ils ressemblent à la fin pour savoir lequel choisir. Là, c'est la première fois que j'ai pas voulu regarder en fait. Du coup, là, je sais même pas à quoi ressemble leur dernier truc. Bon, j'ai aperçu des trucs, mais je sais pas en détail à quoi ils ressemblent. Le type O, je sais pas du tout. Le lapin, je sais à quoi il ressemble. Et le type plante, je l'ai vu de dos. Chaque jeu, j'ai pris le type O depuis Saphir. D'accord. Parce que tu préfères le type O ou c'est juste niveau esthétique à quoi il ressemble? Non, moi franchement, ça dépend. Ça dépend en fait. Tout dépend comment je le trouve. Mais en général, si je peux avoir les 3, je prends les 3. Mais ouais, en général, ça dépend. C'est tout dépend comment je trouve son esthétique, si je le trouve beau ou pas. Et là, du coup, là, vu que je connaissais pas, j'ai pris par rapport au premier truc et voilà quoi. Oh, il évolue! Il évolue à quoi? Pardon! Oh! En sco le cendre! En sco le cendre, alors attends. Que je le trouve.
On va le modifier. Scolo. Cendre, pas Sclospendre, c'est Sclossendre. Alors, enregistrer l'image sous. Enregistrer. Voilà. Du coup, toi, tu vas virer. Supprimer. Oui. Plus. Nouvelle source. Parcourir. Il est où? Il est où? Il est où? Là. Terminé. Alors. Voilà. Mince. Alors, tu disais, regardez les dernières formes parce que... Attends. Moi après j'ai regardé les dernières formes parce que je me suis dit, vu que j'ai pas le jeu, je peux me spoil. Ouais, de toute façon, le temps que tu l'aies, ouais. Le type O est souvent plus BG pour ma part et type O meilleur team. Moche et moche. Cette dernière forme au cas où. Ah, le type O il est moche. La Scolossandre ou le type O il est moche. Mais d'après ce que j'ai entendu, ouais, il est pas super ouf. Il est de nature agressive, non seulement son corps brûlant est dangereux, mais il possède en plus d'énormes crocs très pointus. Alors lui, je sais c'est quoi sa forme Gigamax. J'ai déjà affronté. T'es sûr de plus en plus, Olia. Il va falloir que je m'entraîne comme un fou si je veux pas me laisser distancer. Enlève-le car il est type feu et plante. Et t'as déjà un plante. Ouais, je sais. Mais pour l'instant, je vais le garder. Mais c'est juste, voilà, le temps de trouver vraiment un où je vais me dire ah, celui-là, je le veux dans mon équipe. Je le veux dans mon équipe. là, je changerai à ce moment-là. Ou peut-être que. C'est même pas type plante, c'est type insecte, je crois. Résumé. Avant c'était type insecte. Ouais voilà, c'est feu et insecte. Donc je vais voir. De toute façon, soit... Déjà, Voltoutou, je vais pas le garder. Et soit je vire... lui. Mais pourquoi il est marqué en anglais? Ok, c'est pas grave, je changerai son nom. Soit je le vire que... celui-là. Soit je vire Vagomine. Donc je verrai. Enfin, Vagomine, je sais qu'il est une troisième évolution, mais je sais pas à quoi il ressemble. Donc je verrai après. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, genre, je pouvais voir la boîte PC, je peux changer? J'ai pas fait gaffe. Ah, pim. Tintintintintintintintin. Ah, encore un truc là. Jolie plume. Ah, du coup, je suis pas allé soigner, je sais pas s'il y a besoin. D'accord, ok. Ok, pourquoi pas. J'étais pas prêt. Je m'attendais vraiment pas à voir ça. Alors, juste, on va faire le petit roulement. Toi, tu descends. Toi, tu restes là. 21, 21, 69. Je vais regarder du coup si j'ai des super bonbons. Ouais, j'ai 36 000 trucs. Des Pokéballs, par contre, j'en ai plus beaucoup. Ça va pas tarder à être la dèche. Les plumes, ça je sais. Ah, j'ai un super bonbon. Ouais, elle est loin. Bon, ça fait toujours monter d'un niveau, c'est toujours ça. Joli pub, marque étoile. Bicyclette, quand c'est sorti, ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai la bicyclette. La bicyclette. Alors attends, j'ai celui à affronter. Enlève-le, qu'un type fait plante. Ouais, j'ai toujours le même truc. Bah, du coup, alors, comme je t'ai dit, je sais pas, il y a un des deux types feux que je virerai de toute façon. Je sais pas encore lesquels. Mais lui, il est trop mignon, j'ai trop hâte de voir ses évolutions. Mais le truc, c'est que je sais pas comment il évolue. Si c'est avec des niveaux ou si c'est une pierre ou un truc spécial.
On va faire acide. Normalement, il devrait douiller. Si je me rappelle bien. Voilà. J'ai bon souvenir. Du coup, t'as déjà vu tout le jeu ou pas? Je sais pas si t'es toujours là. Ce soir, je referai un live. Je sais pas si j'aime, il en fait un. Chauve-sourire. Ouais, si, j'ai changé. Ouais, ils veulent tout. Je sais pas si GGM il fait la suite de son let's play, ou s'il fait de la chasse, ou s'il fait des raids, je sais pas. Étincelle. Allez, boum! Oh putain, j'aurais pu l'avoir. Eh ben, on va faire froid frimousse. Sérieusement? Seriously, man? Je commence à avoir faim. Allez, boum. Take it home, gros. Du-du-du-du. Alors, toi du coup tu descends, voilà. Toi tu veux te battre toi? Elle veut se battre. J'ai bug, pas de soucis. Du coup ouais je disais, est-ce que tu sais si j'ai mis live ce soir ou pas? Je vais change. On va prendre Bleuzeil. En espérant qu'il me mette pas KO. Parce que ce soir, je compte refaire un live. Il y a multi-exp. En fait, c'est même pas le. Il y a même pas de multi-exp en fait. C'est. Tous les pokés prennent de l'expérience. Tout seul en fait. Il n'y a pas de multi-exp. T'en as plus. Du coup, tu peux pas non plus le désactiver, je crois pas. J'ai pas regardé, remarque. Je crois que tu peux pas le désactiver. Après je préférais quand il n'y avait pas. Parce que quand il n'y en avait pas, c'était, ça ajoutait plus de difficultés parce que du coup tu pouvais pas rush le jeu. Du coup tu devais passer quoi une heure à. Enfin c'est pas une heure mais tu devais t'entraîner du coup dans les hautes herbes à monter tes poké quoi. Je vais regarder voir peut-être ce qu'on peut. Si le combat équipe boîte. Saisis des surnoms à la capture. Capteur de mouvement, caméra, sauvegarde automatique, simplifier affichage des surnoms, ceux de cinématique, musique, lit, cri. Ouais, non, tu vois, y a pas. On peut pas enlever. Skiford. J'aime bien la musique. Alors, le petit centre, on va aller se soigner. Ça va faire du bien. Tac, 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 tac. Toi, est-ce que tu me donnes quelque chose? Super Bowl. Ah. Non, je vais pas t'en prendre autant, je vais t'en prendre 15. Voilà, on va sauvegarder. Ça a trop changé Pokémon. Ouais, mais j'aime bien. Autant Soleil et Lune, j'ai détesté, mais vraiment. Les Poké, je les ai trouvés vraiment pas ouf esthétiquement.
j'ai trouvé hyper simple. En fait, j'ai l'impression de jouer à un jeu pour petits, quoi. Qu'il avait fait vraiment pour les tout petits qui débutent. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Genre, t'étais vraiment guidé et tout. En plus, c'était ultra relou avec le motisme. Puis même Tilly, là, notre rival, elle était relou, mais comme pas possible. Vrai gamin. Donc là, là, ça a changé. Je préfère carrément. Ça fait du bien, je trouve, vraiment de rejouer à un jeu comme c'était avant. Bon, c'est quand même encore guidé, mais beaucoup moins qu'avant. Jeu hardcore devient un jeu basique, simple. Ouais. Mais disons que tu ressens plus la difficulté qu'il y avait dans les versions Ruby et Saphir. Je me rappelle Ruby et Saphir sur Game Boy. Punaise, mais à part moment, je passais du temps à les faire monter de niveau dans les hautes herbes. Parce qu'il y a des champions où je buguais, je perdais 2-3 fois avant d'y arriver. Genre, je me rappelle les types vol, je galérais contre son Altaria et tout. Si navré, mais le président est très occupé, il y avait l'obligation de bien vouloir nous laisser, merci. Même Diamant et Perle, c'est pareil, j'ai du mal. Enfin, je me rappelle avoir un peu galéré quand même. Mais lui, à mon avis, lui, il a un rôle important. Soit pour moi, c'est un méchant. Soit. Parce que à la présentation des champions d'arène, on en voit que 7 sur les 8. Ils disent ouais, voici les 8 champions, mais t'en as que 7. Donc à mon avis, soit c'est un champion d'arène, soit c'est un méchant. Soit donc un peu plus aimable avec eux, d'accord. C'est bien beau d'avoir des fans, monsieur le président, mais il faudrait qu'ils vous laissent travailler si vous voulez continuer de les éblouir. Mais heureusement aussi, je vais continuer de tout donner pour vous. L'autre larbin. Fort aimable à toi, mon petit, peux-tu te rappeler ton nom? Travis, monsieur. Bien sur le bras, petit Travis, ah ah ah. J'aime bien grandir, je me souviens encore de toi le jour où je t'ai donné un poké. Tu as l'air bien parti pour essayer le défi des arènes, les protéger du maître aussi. Vous m'avez fait l'honneur de me soutenir, monsieur le président, je ne vous décevrai pas. Je serai le meilleur des challengers, vous verrez, je vais m'entraîner de ce pas. Ouais, c'est ça. Non, le gaspillage d'argent. Je me demandais justement pourquoi Tarak avait décidé. Ça va, j'en ai pas pris énormément. Et j'en avais que 3, je crois. Je viens d'avoir une idée merveilleuse. C'est normal, après tout, je suis tellement fabuleux. Ma jeune amie, tu es en route pour affronter Donna, c'est bien cela? Écoute, je compte m'offrir un bon repas. Passe donc me voir une fois que tu as obtenu ton badge pour commencer pour ça ensemble. Tu vas en profiter pour me parler un peu de toi, je suis curieux. Monsieur le Président, c'est pas pour vous bousculer, mais il serait temps d'y aller. Bah vas-y, dégage. En tout cas, elle, c'est sûr, elle a une tête de méchante. C'est pour ça, d'un côté, je sens pas le président. Alors. C'est parti, mon kiki. On va aller voir la maison avant. Bonjour, madame. Si j'ai la carte de Tarak, le maître, ok. Combien d'arènes est à t'es à laquelle là ça va être la deuxième, celle des types O. En gros t'as 8 arènes. Mais le truc, comme je l'ai dit, c'est qu'au début, quand t'arrives à Motorby, t'as une cérémonie voilà pour tous les challengers, et genre ils te présentent tous les champions. Sauf que quand tu comptes, tu as le type plante, le type eau, le type feu, le type fée. Le type ténèbres, le type glace. Attends, je t'ai dit quoi? Et le type dragon, ça en fait 7. Et du coup, il en manque un. Il en manque un 8ème. Et le 8ème, on sait pas qui c'est. Donc, c'est pour ça, à mon avis, c'est le président. Ouais, ça me calme bien. Ça tient du Pokémon. Ok. Donc c'est pour ça, à mon avis, soit c'est un personnage qu'on a déjà rencontré, soit c'est le président. Soit c'est un personnage qu'on n'a pas du tout vu. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. C'est pas évident de différencier les axolotos femelles des mâles, tu sais comment faire toi? Bah les femelles elles ont
Axoman, Axolette et Malo. Bah, les femelles, elles ont qu'au lieu d'avoir deux tiges là sur les antennes, ils en ont qu'une. Combien d'arènes et... Les trois premiers types sont nuls. Plante, eau et feu? En vrai, tu vas me dire, c'est facile à contrer quoi. C'est juste d'avoir leur profil, ça c'est facile. Après, on verra. En général, attends, c'était quoi? Dans quoi? Bah, c'est dans le type. Pour le type. Dans XY, c'était à quelle arène où j'avais eu un petit peu de mal? Mais je crois que c'était au type fée, et encore. Même pas. Je crois que j'avais plutôt bien réussi le type fée. Fais tout le tour avant. On va voir s'il n'y a pas des objets qu'on peut trouver. Ça a dû mettre poison ou insecte, ou même petit passier. Mais je sais que t'as deux champions qui changent en fonction de la version que t'as. Je sais qu'au lieu d'avoir type spectre pour bouclier, t'as type je sais plus quoi, combat, et t'en as un autre aussi qui change. On raconte que les Pokémon représentés par ces statues auraient un jour protégé le phare. Ils auraient stylé, je sais pas qui c'est. Bon, on saura sûrement plus tard. Ah, la championne! Elle est trop belle, on est d'accord, elle est trop belle. Jean Changer, n'est-ce pas? Ah, elle est trop badass. Enfin, trop canon. Tu es parrainé par Tarak. Et oui, nous autres champions, parlons souvent de toi, ta réputation te précède. Tiens, c'est pour toi, je suppose que tu as envie d'en savoir plus sur moi. Sa carte? Ah, voilà. Trouve-moi au stade de Skiffard. S'il y a une chose que j'aime encore plus que la pêche, c'est un combat Pokémon. Mais déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a le type glace. Ils ont remis le type glace en champion d'arène. Le type glace, c'est vraiment le style d'arène qui a le moins dans les jeux. La dernière fois qu'il y a eu un champion de type glace, j'ai un doute, s'il y en a un dans XY ou pas, je sais plus. Je sais plus du tout s'il y en a un. Alors, je sais plus s'il y en a un, mais en tout cas, les dernières fois qu'il y en a eu, c'était dans Diamant et Perle. Dernière fois qu'il y en a eu. Après, il y en a eu dans Ruby et Saphir. Dans les toutes premières versions, je crois qu'il y en a un. Si je dis pas de bêtises. Dans rouge, vert et jaune. Si je dis pas de bêtises. Bon, sur ce, à plus. Ah, ok, bah ça marche. J'irai plus tard, ça marche. Merci Lolo. A plus tard, merci d'être passé. Ah, pas bol. Alors, bah c'est parti. Deuxième champion d'arène. Voilà, Destroy. Noir et blanc. Dernier type glace. Ah, peut-être. Peut-être. C'est possible. Allez, let's go. Alors, par contre, je me rappelle plus à quoi il ressemble le type glace. J'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir d'à quoi il ressemble. Ah, voici la mission d'arène de Skiffard. Le but c'est d'arriver à sortir du labyrinthe. Enfin, ce sera pas simple car s'il pleut de... car il se peut que l'eau te bloque le passage. Comment faire dans ce cas, me demandes-tu? Eh bien, qui sait, peut-être qu'appuyer sur les boutons pourrait aider. Mais avant, c'est parti pour la mission d'arène. Allez, let's go. Je suis parti avant son coup de sifflet. Petite tritonde. Il va me destroy lui. Badaboin. Bob. Alors, on va lui faire tranche herbe. Normalement, ça l'a one shot. Ça l'a pas one shot.
tire debout. On va lui faire griffe. Ah là, qu'est-ce que c'était dur. Oh là là. J'ai eu énormément de mal, dis donc. J'ai juste regardé combien il me reste de batterie dans les manettes. Manette. Ah, bah ça a l'air d'être plein. Alors. On va réactiver les rouges. Là, ici, on va d'abord activer le jaune là-bas. Ah, j'ai bien envie d'essayer, allez, on essaye. J'aime trop comment il bouge. Ah, par contre, il me fait armure, non. Ça va pas trop le faire. Allez, là, faut que je... Non, je vais pas le tuer, là. Des attaques. Ah si, j'ai eu. Je pensais pas. Je ne pensais pas. Et crapince. Mais on va refaire pareil. Bon, j'espère juste qu'il pourra avoir des meilleures attaques quand même. Voilà, on va refaire deux fois acide. Doubou doubou doubou. Allez, on le destroy. Oh non, Bleuzeil, il a même pas monté de niveau. C'est pas grave, au prochain. Au prochain, ça sera bon. Voilà, ensuite on va activer le rouge là-bas. Comme ça on passe. C'est comment? Là il y a le bleu. Le bleu je peux pas activer. Il y a le rouge. Le jaune. Alors le jaune je peux. Normalement c'est rouge et ensuite le bleu. Remored. On va changer, on va changer. Ah, j'aurais peut-être dû prendre Aveul Toutou. Ok. Tranche herbe. Et c'est un petit one shot.
Kellegrock. C'est qui ça, Kellegrock? Bon, on verra. Ah, c'est lui. Nice. Faut que je pense à un capture hein, avant d'aller faire l'arène de type feu. Ok, là j'active le bleu. Normalement c'est bon. Voilà. Alors avant, je vais juste voir. Non, c'est pas ça. Je sais pas comment j'ai fait pour accéder en fait à la boîte. Ah, je peux changer la disposition. Ah, ça c'est cool. Bon, bon, bah, c'est pas grave. Tant pis, ce n'est pas grave. Allez, on va tout destroy. Non, mon perso il rigole pas, hein. Il est déterminé. Hein. Prends des coups. Oh, puis il est trop canon. Avouez quand même. Bienvenue dans mon arène, Challenger. Comme tu le sais, je me nomme Donna. Désolé que tu aies eu à me chercher. Tu es venu à bout de ma mission d'arène qui était pourtant relativement complexe. Et je dis cela en toute humilité. Tu possèdes un esprit affûté qui te prédispose à la carrière de dresseuse Pokémon. Mais ton dessin d'avance sera-t-il à te sauver face au torrent de mes attaques? Mais oui. Voici, voici, voici. Alors, est-ce que je prends le risque? Non. On va changer, on va prendre Voltoutou. Ouais, c'était son bout de corne qui me faisait peur. Étincelle. D'où il est plus rapide que moi? Ok, j'ai même pas mis KO. Voilà, normalement là ça va être bon. Ok. Embroché. Mais on va garder. Ah ça, espèce de sardine là ou de brochet là comme ils disent. Et voilà. Et maintenant le dernier. Torgamore, on va changer et on va prendre le petit badabouin. Et c'est parti pour la Dynamax.
Dimenamax. C'est tellement stylé les cinématiques. Allez. Phytomax. Ah bah d'accord, c'est la one shot. Ah ouais, comme ça. Pas très difficile. Sabotage. On va enlever griffe. Je crois qu'elle est un peu vénère. Ça alors, tu as fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe. Et ouais. Incroyable. Ma foi, je ne peux reconnaître que ta victoire. C'était ton avancée victorieuse tout au long du défi des arènes avec l'aide de ton équipe. Qui sait, ta fougue te viendra peut-être jusqu'au titre des maîtres. Ton équipe et toi avaient su vous montrer digne de ce badge. Portez-le fièrement. Le badge haut. Je pense que le champion de type feu fera une joie de vous affronter étant donné ton niveau. Ah, par contre, il faut que je trouve un type haut alors. Parce que sans type haut, ça va être un peu compliqué. Allez sur vous pour savoir jusqu'où vous irez comme ça. Président, t'attends au restaurant, les brise-lames ne traînent pas en chemin, s'il te plaît, voici ta carte de ligue au cas où tu aurais oublié son usage. Il refuse de faire attendre même un instant ce qui pourrait bénéficier de son aide, et moi je n'aime pas que l'on fasse attendre le président, alors au galop. Ah, attends, avant je vais voir si je sais plus si j'ai récupéré la Pokéball. Ah non. Ah si, j'ai eu. Alors ce qu'on va faire. On va aller voir le président, puis après on va s'arrêter là pour le live. Est-ce que j'ai besoin de... Non, ce qui est cool c'est que j'ai pas besoin de soigner. Voilà. C'est bon. On va les soigner ici au restaurant. Avec Sonia! Ah, Olia, joins-toi à nous et fais ton trajectoire. Tiens, tu as invité toi aussi? Oh, mais vous connaissez, merveilleux, je vous en prie, prenez place. Skiford est une ville qui vit traditionnellement des produits de la mer. Quitte à aller au restaurant, le choix ne se pose pas. Il faut manger local. Tous les plats de la carte sont plus délicieux les uns que les autres. Vous ne serez pas déçus. Je suppose que cette chère professeur Magnolia se porte toujours comme un charme. Nous lui devons beaucoup, voyez-vous. C'est elle qui a découvert comment utiliser le pouvoir des étoiles vœux pour dynamaxer les Pokémon. Sans ses travaux, jamais nous n'aurions pu fabriquer de poignées Dynamax. Oui, mais nous sommes encore loin d'avoir réussi tous les mystères du Dynamax. Je dois avouer que ça la préoccupe. Elle me force même à emporter un détecteur de source d'énergie dès que je sors. La tronche de l'autre derrière. Oh, un détecteur de source d'énergie, c'est si pratique ces petites choses. Vous savez, c'est grâce à eux que nous avons découvert ces lieux riches en Galarion.
qui permettent au Pokémon de se dynamaxer. J'y arrivais. Je suis navré d'apprendre que cette chère professeur Magnolia est préoccupée. Seulement je pouvais faire quelque chose. J'ai peut-être une idée. Liv, veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle des reliques de Quickenheim? Je suis persuadé que la clé des secrets du Dynamax est liée à l'histoire de notre région. C'est noté, monsieur le président, je vais arranger cela. Sur ce, dois-je vous rappeler que l'heure... Ah, attendez, j'ai juste allumé. Tourne, monsieur le président. Tac. Quoi, déjà? Oh non, j'aurais voulu discuter avec Olia. C'est dommage, mais que voulez-vous, c'est la dure vie de PDG, mon tour ne m'appartient pas, je n'ai vécu que pour Galar. Attendre ceux qui ont besoin de mes lumières. En gros, tu parles des invités, mais au final, il a parlé qu'à Sonia, quoi. Fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques. Je suis obligé d'y aller. Non, mais bon, il a sans doute raison. Si j'ai bien une chance de trouver des infos sur les légendes, c'est là-bas. En fait, tu as obtenu le badge O. Bravo, Donna est ton adversaire coriace. Tu as bien mérité cette cité pour la peine. Vengeance. J'aurais préféré une attaque O. On parle de Donna, c'est une bonne copine, je vais aller lui faire un petit coucou. A plus, Challenger. Ah, yo, toi aussi, tu as t'as déjà le badge porte et le badge haut, c'est ça? En ce cas, notre prochain adversaire sera le même. Kabou, le champion de Motor V. Justement, on lui dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar numéro 2. Donc à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à Motor V. Autant faire accrocher par la mine, on tombera peut-être sur lui avec un peu de chance. Ok, alors ce qu'on va faire, on va sauvegarder là. Mince. On va sauvegarder. Puis on va se laisser là pour ce live. On va se laisser là pour le live. Et je referai un live tout à l'heure, enfin ce soir. On va faire ça. Hop. On va faire ça du coup. Alors on va